Bah voilà, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je veux faire une petite vidéo là par rapport aux pensées, par rapport aux émotions. Vous savez, dans la vie, on a souvent des moments où on a envie de changer, des moments où on a envie de quitter un état émotionnel A vers un état émotionnel B, des moments où on a envie de quitter un état mental A vers un état mental B. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est constamment sujet à la culpabilité, à la peur, aux émotions de frustration et aux émotions de tristesse. Et tu te dis en fait que voilà, oh, je décide de changer, à partir d'aujourd'hui, je décide de changer de cet état-là. Et tu commences bien ton processus. Sauf que il y a des jours où il t'arrive d'être, de retomber dans ces mêmes états passés. Et tu culpabilises et tu te demandes bah, pourquoi, comment j'ai fait pour retomber encore, qu'est-ce qui s'est même passé dans ma tête pour que je retombe encore. Bref, tu te blâmes, tu te plains, tu t'auto-flagelles en fait mentalement. Et la plupart des personnes en fait abandonnent durant le processus. La plupart des gens en fait, lorsque elles ne voient pas les résultats aussitôt, lorsqu'elles ne voient pas bien l'accomplissement de leurs efforts, de leur volonté, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes abandonnent. J'ai fait partie de ces personnes durant cette année. À travers de nombreux processus que je voulais changer, mon processus émotionnel, mon processus mental. J'étais quelqu'un en fait aux environs de midi, 16 heures, j'étais terrible. Constamment envahi par des pensées négatives en fait. Les pensées du passé me revenaient, les pensées du passé en fait me saturaient la tête. Et à un moment donné en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris quelque chose de très pertinent pour ne pas me laisser aller par ces pensées. Parce qu'il faut comprendre que Satan, les pensées négatives, tout ce qui est négatif, veut prendre la place dans tes pensées, veut prendre la place dans tes pensées. Par conséquent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser la persistance. Ils vont persister. Ils vont persister. Persister pour entrer dans ton mental. Persister pour entrer dans ton cœur. Persister pour entrer dans tes émotions. Persister pour prendre le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de prendre le contrôle de ton âme. Ils utilisent la persistance, ils veulent détruire la muraille, ils veulent détruire le bouclier de la foi, ils veulent détruire tout ce que tu as mis en place pour résister, pour les empêcher d'entrer. Et on se rend compte après un certain moment, on abandonne, on a tendance à vouloir abandonner, dire bon, ok, c'est pas, voilà, je ne suis pas à la hauteur, voilà, je ne peux pas y arriver. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, j'ai découvert une solution. Si tu te retrouves dans cette catégorie, je t'envoie dans le livre de Jacques, je crois Jacques 5 ou Jacques 4. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Tenez ferme. Tenez ferme. Soyez résistant. Résistez. Dieu n'a pas dit que la vie est facile en fait. Dieu n'a pas dit que notre quotidien sera facile. Parfois on a tendance à croire que voilà, ce sera toujours bonheur, bonheur. Non, il y a des ennemis qui rôdent, il y a des pensées négatives, il y a des émotions négatives, il y a de vieux états d'esprit qui veulent revenir. Il y a des vieilles mentalités qui veulent revenir. Et quand tu te retrouves en fait confronté à ce genre de choses qui veulent revenir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois résister. Tu dois résister. La résistance contre la persistance des ennemis. Tu dois utiliser ta résistance contre la persistance de l'ennemi. Parce que l'ennemi, ce qu'il cherche, c'est qu'il va persister, il va chercher à percer pour entrer. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois résister. Donc au lieu de te laisser aller, au lieu de te laisser faire, au lieu de te laisser affaiblir, au lieu de pleurnicher, au lieu de culpabiliser, au lieu de croire que non, Dieu t'a abandonné, je veux t'encourager à résister. Moi par exemple, en fait, j'avais remarqué certaines périodes, je crois en début du mois, toute cette année en tout cas, qu'à partir d'une certaine période horaire, ces pensées négatives, ces émotions négatives, bref, tous ces états mentaux et émotionnels du passé revenaient. Ça commençait généralement à 12 heures, ça finissait à 14 heures, 14 et 15 heures. J'ai pris le temps en fait d'observer les processus inconscients, ces programmes automatiques du passé qui revenaient. Et je m'étais rendu compte que durant cette période-là, j'étais fatigué mentalement, mes pensées étaient en désordre et j'avais tendance à vouloir me laisser aller, m'abandonner à cette dernière. Alors ce que j'ai appris quand j'ai lu dans le livre de Jacques, il faut résister. Le diable c'est pas seulement un démon, le diable c'est pas seulement un sorcier. Le diable c'est ennemi en fait, diabolos, il vient pour diviser.
Il vient pour diviser, il veut diviser, il veut trouver un moyen d'accès dans ta pensée, un moyen d'accès dans ton mental, un moyen d'accès dans tes émotions. Laisse-moi te dire, laisse-moi t'encourager, résiste. Si tu résistes, ils vont fuir loin de toi. C'est ce que la Bible dit, c'est pas toi qui dois fuir. C'est pas toi qui dois te laisser abandonner. Toi, tu dois résister. Toi, tu dois tenir ferme, tu dois maintenir ton bouclier de la foi, ton bouclier de la paix. Peut-être ce que tu attends là n'est pas encore totalement manifeste. Mais chaque fois que tu résistes, chaque fois que tu résistes, chaque fois que tu résistes, en fait, tu es en train de devenir fort. Tu te fortifies, tu te fortifies, tu te fortifies, tu te fortifies, tu te fortifies. Et la neuroscience nous explique par la loi de Hebb que ce que tu fais régulièrement, ce que tu fais régulièrement en fait, les neurones qui vibrent ensemble se connectent et se renforcent ensemble. Ça veut dire quoi? Si tu as une habitude que tu adoptes, si tu résistes quand les pensées négatives viennent, tu résistes un jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu reprends encore. Je t'assure que d'ici un mois, le muscle, ta barrière mentale sera solide, ta barrière mentale sera inébranlable. Pour que ton mental devienne inébranlable, tu as besoin de résister. Tu as besoin de résister, même en génie civil, pour tester la solidité d'un bâtiment. La résistance d'un bâtiment, on l'ébranle, on fait vibrer le bâtiment pour voir si les fondations sont solides. Alors quand Dieu même permet que tu sois envahi par des choses négatives, des trucs qui persistent et qui persistent encore, c'est parce qu'il veut fortifier ton âme, il veut fortifier ton mental. Avant, j'étais quelqu'un qui avait un mental très faible. J'étais faible mentalement. Dès que je recevais des pensées négatives, des trucs négatifs, je me laissais aller. Je disais, oh Seigneur, ça va, je ne peux rien. Je peux rien, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur. Mais franchement, avec le temps, j'ai compris, j'ai appris à résister. Résister. Et chaque fois que je résiste, en fait, ces choses fuient loin de moi. Elles vont fuir lundi, mardi, mercredi, jeudi. Après un moment, elles vont te laisser tranquille. Pourquoi? Parce qu'elles ont trouvé quelqu'un de faible, quelqu'un de résistant. Alors, franchement, résiste. 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 Et ces choses fuiront loin de toi. C'était ici le coach Joe Brains pour t'encourager à résister et être fort mentalement. À bientôt.